retrouve pour le 7e épisode, si je compte bien. Donc on est content, épisode dernier, on a enfin réussi à planter notre pommier. Donc Marie augmente bien ses compétences, ça c'est vraiment très bien. Normalement on a toutes les ressources. Ah non, il manque un petit peu de calcaire encore. Bon, bah, on va continuer de donner les ordres pour le calcaire dès que je retrouve où c'est que j'ai commencé à creuser. Parce que à chaque fois je tourne et du coup je suis perdue. Bah, c'est là. Ah ouais, il reste encore un peu. Si, ouais. On va se mettre là. Comme ça. Alors je fais comme ça, vraiment un par un, parce que il m'est arrivé sur ma partie test de faire un grand carré pour ordonner le creusage. Et il s'est retrouvé dans le trou et dans l'impossibilité d'en sortir. Donc ils finissent par mourir de faim, enfin de tout, quoi. Donc après, quand il y a des grands trous, ben, faut mettre des escaliers. Ben, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé d'autre solution. J'ai pas été très loin non plus dans le creusage, dans les compétences de minage, mais voilà. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc là, ils vont continuer de miner. Non, 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 tu m'annules ça. Certainement pas faire un trou ici. Alors, c'est l'été, c'est le jour 2. Il fait assez chaud. Je crois pas avoir de vêtements d'été. Pire, ils se mettent tout nus, hein, s'ils ont chaud. Hein, on va faire ça comme ça. Hop. Ah oui, bah oui, j'ai fait ça. Ouais, ça, on le fera vraiment plus tard. Pour l'instant, c'est pas urgent. Là, il faudra mettre des tables, des sièges, bien sûr. Des étagères murales. Alors, des fois, j'arrive pas à les accrocher, je sais pas pourquoi. De ranger les objets bien au propre, en évitant qu'ils ne se dégradent au sol. Donc ça, c'est bien pour la nourriture, les étagères, comme ça. C'est-à-dire que à côté de la table de boucherie, ça serait pas mal que j'en mette quelques-unes. Voilà. Mieux que dans la réserve. Hein. Pas trop mettre d'objets ici. On va se laisser de la place pour mettre un escalier. Ou alors je remettrai un escalier sur l'extérieur. Non, on fera un escalier ici. Pour mettre des chambres supplémentaires plus tard. Alors du coup, de voir des poutres, ça serait bien. Le seul souci, c'est que si je veux mettre un escalier plus tard, faut pas que la poutre gêne. Alors, est-ce que... Non, là, sur une fenêtre, ce serait pas intelligent. Mais hein. Sur la cheminée, j'imagine que non plus. Alors, est-ce qu'on se contente d'une poutre? Une seule poutre comme ça? Ben oui. Ensuite, enfin, il faut que je mette l'escalier parce que sinon je pourrais pas mettre le sol. Enfin, ça va être pénible. Pas assez de ressources. Oui, non, mais les ressources, ça viendra après, ma cocotte. Sois pas paniquée. Alors, est-ce que tout le sol va être accepté? C'est pas sûr. Si? Non, pas là. Ah! Ouais, ça c'est un problème. C'est un problème de poutre. Normalement,
faisant ça, ça doit résoudre le problème. Ouais, c'est bon. On est bien. On est bien. Alors. Alors. Punaise, c'est pas. Ouais, c'est pas tellement centré, mais bon, c'est pas très très grave. Ils sont pas assez près. Je baisse un peu parce que ça me gêne. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le petit pommier pousse. Pourquoi j'arrive pas? Ah oui, parce que je suis trop trop basse. Voilà, donc le pommier. Jeune arbre, stabilité, il a l'air bien. Récolte hein. Maximum. Donc il donnera une pousse, c'est ça? Je sais pas s'il donne des pousses quand tu récoltes les pommes ou s'il faut vraiment la battre pour qu'il donne des pousses. Donc on va voir. Ce sera la surprise. J'ai jamais autant joué avec la position de la caméra dans un city builder, c'est incroyable. En général, je me trouve une position et j'y reste un moment là. Est-ce que c'est que moi ou c'est ce que ça le fait aux autres joueurs, je sais pas. Pour l'instant, ils ont l'air de supporter l'été. Hein. Est-ce qu'ils font des vêtements un petit peu? Pff, non, ils font rien. Est-ce que l'influence a augmenté? Oui, l'influence a augmenté. Est-ce que j'aurai des nouveaux colons à un moment? Ça vous plaît? Ce serait gentil. Ouais, ils bossent bien. Est-ce que j'ai besoin d'un armurier? Pas vraiment. Pour l'instant, je dirais. Qu'est-ce que j'aimerais augmenter? Ça m'embête d'augmenter quelque chose qui va me donner une table de métier, sachant que j'ai pas de nouveaux colons. Structure décorative, il nous reste un. Ouais, là t'as des trophées. 15. Ouais, on peut faire ça. La recherche 2, ça signifierait avoir quelqu'un d'autre qui aille sur une autre table de recherche, parce que c'est une autre table qui donne autre chose. Là, on est des chroniques. La table numéro 2 nous donnerait des manuels. Donc c'est encore quelqu'un d'autre qui fera, quoi. Voilà, ouais. Je pourrais faire d'autres choses. Je sais pas quoi. Structure défensive. Comme j'ai dit, hein, je suis en pacifique. Théoriquement, j'ai pas d'attaque. La fonte, ça va me donner ouais, la fourrure de fusion. Et transformer en lingot. Hein. J'ai pas envie de faire ça. Arme en bois non plus, j'ai pas envie. Bon, tant pis, on va engranger les points pour la recherche. C'est pas très très grave. On manque encore de calcaire. On manque encore de calcaire. Alors voilà. Ah oui, mais ils vont pas chercher aussi, alors forcément. Ah, ça, ils décident de faire l'âtre avant de finir les murs, d'accord. C'est une logique particulière. Hein. On n'a pas tous la même. C'est pareil, les livres ils traînent normalement. Ah ouais, il faut que je mette des étagères spéciales livres. Sachant que là, j'ai pas de cloison, enfin que c'est tout ouvert. Est-ce que je fais une pièce? Là, je pourrais faire une pièce style bibliothèque. Peut-être pas faire une pièce, plutôt un bâtiment. Ouais, enfin déjà les laisser finir le resto. Hein. Je pense
parce que c'est plus urgent. Voilà. J'ai peur d'aller trop vite parce que si je vais trop vite, y a un risque de d'avoir des blessés et des morts et ça, j'ai pas envie. 80%, 30%, ça c'est les contre-attaques. Oh, c'est plein de loups. Comment ça se fait qu'il y a autant de loups? J'ai pas envie de tuer des rats pour les bouffer, hein, ça me dit rien. On va continuer de tuer du cerf. Il y a quoi encore? Beaucoup de jeunes. Jeunes mâles. Il y a des filles au moins dans les cerfs? Oui. Donc on peut tuer un vieux cerf. Ah, on est d'accord. Allez. Voilà. Ça, Osmond, il retourne chasser. Il augmente ses compétences. Marie. Marie, il y a du jardinage, non? Là, tu n'as pas la compétence, d'accord. Mais là, tu l'as. Les graines d'orge, on en avait. Je suis pas folle. Ça se trouve, si. Il y en a là. Allez, j'ai récolté ça. Je pourrais pas le... Sois intelligent, Teji. Sers-toi des outils. Voilà. Est-ce qu'il est parti récolter? Oui. Marie part récolter. Est-ce qu'elle augmente ses compétences? Humeur, ouais, c'est pareil. Vêtements hideux, bah excuse-nous, vas-y, fais des vêtements. Plus on va se faire engueuler. La soif. Ouais. C'est pas génial la gestion des colons, hein. Ils sont si peu nombreux. Activité de loisirs, ils veulent vraiment s'amuser. Il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, où est la table de backgammon? Je sais plus. C'est pas là? Il y a ça aussi. Bientôt l'hiver, va falloir y penser. Bois zéro. On va se le mettre là. Là. Et donc, une table de backgammon, eh ben, ça doit être dans les loisirs. Hein. Non, ça c'est la guerre. Tout compris. Là. Est-ce que c'est pas sa place au restaurant? Oh si, hein. Allez. Ils vont faire ça au restaurant. Ah bah voilà, 6 mai, c'est bien madame. Carotte, elle a commencé. Non, bah c'est bien. Il nous restera les herbes et les betteraves qu'elle n'a pas les compétences encore. C'est pas mal. C'est pas mal. On est bien. Le jour 3 de l'été. Effectivement, on entend les... Hey! Oh oui, alors attends. T'es arrivé en tendant la main avec un grand sourire chaleureux. Karl voulait connaître Trillo et proposa volontiers son aide. Tout ce qu'il demanda en retour était un endroit sûr où loger. Il n'y a pas de problème. Eh ben oui, on va t'accueillir, Karl. Du coup, il va nous manquer un lit. Ouais, et donc là, ça va devenir urgent. De faire l'étage supérieur. Sauf qu'ils ont même pas fini l'étage inférieur. Est-ce que j'ai la place de mettre un cinquième lit en haut? Ça me paraît compliqué. Je sais pas si je peux vraiment mettre les lits côte à côte et puis à ma foi, ils dorment très proches l'un de l'autre, quoi. On va essayer. On verra. On verra s'ils y accèdent. Qu'est-ce qui manque?
Ben, toujours du bois. Ah ouais, le bois, c'est vraiment problématique. Alors, ben, on va faire... Arrête, hein, la récolte de bois. Hop. Ouais, parce qu'il faut le temps que ça pousse. Ben on est bien là, ça avance bien, je suis plutôt contente. Juste je trouve dommage quand même qu'il fasse pas des bébés de temps en temps, mais bon. C'est la particularité du jeu, c'est comme ça. Parce que le truc c'est qu'ils vieillissent, donc ils vont bien finir par mourir. Et les colons, je trouve qu'ils arrivent vraiment pas vite. Alors c'est peut-être moi qui gère mal. Les colons pourraient arriver plus vite si je gérais mieux, je sais pas. Allez, j'aimerais bien voir ce restaurant. Oui. Fini. Je sais pas pourquoi il bloque des fois quand je tourne. Le restaurant fini et de pouvoir mettre en route la grande cheminée là. Quelqu'un cuisine, alors pas Marie parce qu'elle est nulle, hein. On veut pas faire une intoxication alimentaire, non merci. J'aurais pu faire rond là, des deux côtés, ça aurait été plus sympa. Non, pas à la porte, ça. Les portes, je crois pas qu'il y ait d'autres aspects. Non. Oui, il en reste encore pas mal à faire. Puis là, ils vont bientôt aller dormir. Aïe, 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 j'ai le ventre qui grogne maintenant. D'accord. Le lit n'est pas encore construit, donc il y en a un qui va dormir par terre. Hein. Parce qu'ils ont seulement... Non, c'est prévu de le faire. Oui, il est prévu. Pourquoi j'ai l'impression de déborder là? Parce que je déborde, évidemment. Est-ce que je annuler juste ça? Oui. Je sais pas combien de temps il met à pousser, tiens, mon arbre. 33 jours? Ok. Ouh, ça va être long. Ça va être long. Ah! C'est qu'il y a des arbres. Ouais. Fin dormi, ça y en a qui vont se coucher. Sont contents, ils vont faire dodo. C'est vrai que quand on leur demande de faire beaucoup de choses comme ça, c'est un petit peu le bazar.
Bien, bien, bien. Bon, mais ben ça progresse bien. Ça progresse bien. On va se laisser là pour cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Des bisous.